Et puis c'est nuit. T'as de la chance, toi. Eh, 21h38 du matin. Ah, bah écoute, c'est cool. Alors, mon loulou. Moi, tu es beau. Tu le gardes dans tes bras, là. On va aller Voilà, je présente Opium. Opium, 2 mois et demi, futur handichien. Repéré dans un élevage, il a été placé en famille d'accueil à 8 semaines. Sans elle, rien de possible. C'est une éducation super cool. Au début, on ne met pas de collier tout de suite. Là, les premières semaines, en fait, on crée un lien de confiance. Et en fin de compte, c'est ici où c'est le plus important. Parce que si on rate ce premier mois, on va avoir des soucis après pour le reste de l'éducation. Parce que là, c'est vraiment les fondations en fait, du chien qu'on est en train de créer. Ok. Très bien. Ouais, ça va. Continue à le travailler comme ça et si ça ne se voit pas naturellement, relève un tout petit peu ta main comme tu as fait et il va s'asseoir. Pendant le premier mois, la famille d'accueil passe toutes les semaines au centre avec le chiot pour connaître les bonnes pratiques. Ouais, alors voilà, lui donne pas quand il saute. Très bien. Quelques règles à respecter pour Opium, comme ne pas sauter et beaucoup de choses à apprendre en vue de son futur métier. Et t'as vu, là, il est bien placé. Allez, à toi de jouer. Nos chiens sont à gauche et on veut pas qu'ils dépassent le genou. Parce que quand on est en fauteuil, qu'on veut tourner avec le fauteuil, si le chien nous dépasse, il nous empêche de tourner. Donc là, on travaille déjà la marche en laisse. C'est pour ça que je dis à Pascaline de bien récompenser ici et non là. Parce que si on récompense là, on apprend au chien à venir tout le temps devant. Et après, ça sera un problème quand on sera en fauteuil. On y va. Voilà. Hop, et là, tout de suite. Quand vous avez des enfants, vous dites pas, moi, mes enfants, je veux jamais qu'ils me quittent, je veux qu'ils restent avec moi toute leur vie, je veux qu'ils n'aiment que moi toute leur vie. Moi, c'est un peu pareil. C'est mes enfants. Je leur donne tout l'amour que je peux, la meilleure éducation que je peux. Je leur apprends un super job. Et puis un jour, ils vont rencontrer quelqu'un, ils vont vivre une super histoire d'amour et ils vont faire un job dans lequel ils s'éclatent. Et à 18 mois, place aux études secondaires.